aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et tout d'abord avant de commencer je voulais quand même vous dire que vous allez voir que j'ai trois vidéos où je serai habillée pareil, juste pour vous prévenir qu'en fait là je vais tourner trois vidéos donc c'est tout à fait normal que je sois habillée de la même façon. Avec le boulot c'est pas toujours évident et je prends énormément de retard sur les vidéos que je prévois à chaque fois. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais en profiter pour en filmer trois. Voilà, je vous retrouve pour une vidéo Shazam. J'ai installé Shazam sur mon iPad. Sachez que j'ai fait une playlist de mes précédents Shazam en fait. De musique qui sont pas les miennes hein, mais j'ai juste mis dans la playlist en fait l'ensemble des musiques dont je parle. Je vais essayer de le faire aussi pour celle-là parce que je compte en faire 40, je vous expliquerai après. Dites-moi si ça vous intéresse vraiment parce que ça me demande quand même pas mal de temps de retrouver ces musiques-là, mais c'est vrai que de temps en temps écouter un peu des sons un peu différents qui viennent d'un peu partout, de différentes époques, ça fait du bien et c'est rare de trouver ce genre de playlist. Donc voilà, dites-moi juste si ça vous plaît toujours, je continuerai. Aujourd'hui, je vais en faire 40 parce que j'ai décidé que j'allais juste mettre un peu moins de la musique. Vous les découvrirez du coup dans les playlists. Je vais faire peut-être 10 secondes de chaque. Je me suis dit 10 secondes, si je fais 20 chansons, ça fait à peu près 200 secondes. Sauf que je vais un peu parler, donc on va dire 250. Et ouais, je suis un peu optimiste. Peut-être 300 secondes. Ça fait 6 minutes, je me dis je peux faire 2 fois 6, ça vous ferait une vidéo de 15 minutes à peu près avec l'intro, etc. Donc bref, on va commencer tout de suite. Et en fait, je vais pas faire comme avant, c'est-à-dire que je Shazam régulièrement. Et en fait, j'ai décidé de toutes les garder. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter dans le temps. C'est-à-dire que là, je vais commencer par la dernière que j'ai Shazamée. Et on va remonter en fait dans le temps. Donc c'est parti, la première. Alors c'est quelque chose que j'ai pas écouté depuis très très longtemps, que j'ai Shazamé dernièrement, les Spice Girls, Too Much. Celle-là je l'ai partagée dernièrement et j'avais trouvé la vidéo du, on va dire du Prime, là je sais pas si je vais la retrouver, c'est Just a Gigolo. C'est très rétro. Je suis retombée dessus très récemment. C'était une époque où il y avait énormément ce genre de son. Aujourd'hui, on est plus dans la deep house. C'était Martin Garrix. Animals. Je mets animals, c'est animals. Animals même. Ah. Celle-là, je l'ai trouvée il y a vraiment pas longtemps. Et j'adorais cette musique quand j'étais plus jeune. J'étais même petite, je pense, à l'époque. Je sais pas où on se situe dans l'âge. J'adore. Là, vous avez pas le clip. Hein. J'ai pris la vidéo que Shazam met. Celle-là, je me souviens pas. Je vais peut-être m'en souvenir à la lecture de la musique. Celle-là, elle est super vieille. Je crois que je l'avais entendue pour la première fois dans un des films Just Dance. Dance? Ah oui, Step Up, Angel, Step Up. mais le truc, c'est que je peux pas la retrouver comme ça. La vidéo est bloquée, donc du coup, ça va être chaud. J'essaye avec cette vidéo-là, vu que l'autre est bloquée et pas disponible. Donc, je sais pas ce qu'il y aura comme extrait. Je l'adore. Shoot.
Ça, c'est du son, les gars. Si vous avez l'occasion de la retrouver quelque part sur YouTube, n'hésitez pas à l'écouter en entier. Elle est géniale. Alors, celle-là, elle est plus récente. J'aime beaucoup aussi. En fait, je crois que j'aime beaucoup la voix de ce chanteur. Je sais pas d'où il sort. Peut-être qu'il sort de The Voice ou un truc comme ça. Personnellement, je regarde pas les émissions de chansons. Je regardais la Star Academy pendant les 2 ou 3 premières années. Et ensuite, j'ai complètement décroché. Mais j'adore cette musique et j'adore ce qu'elle veut dire. Je la trouve vraiment, vraiment magnifique et je trouve que ça change d'entendre ce genre de sonorités qui font très anciennes et pourtant. Donc là, j'adore cette musique. En fait, j'adore la reprise que Glee avait faite de cette musique, mais j'aime beaucoup aussi l'original et j'aime beaucoup ce qu'elle signifie. Et à ce moment-là, enfin, bref. Elle me ressemblait à ce moment-là où j'ai chasamé. Et la vidéo n'est pas disponible. On dirait que toutes les vidéos ne sont pas disponibles aujourd'hui. Ça commence à me saouler. Oh. J'entends rien que les premières notes, ça me rend tellement triste. J'adore cette musique. C'est paradoxal. En vrai, je sais pas du tout où j'en suis en termes de Shazam, mais ça en fait que 8. Enfin, à mon avis, ça en fait que 8. Peu importe si c'est pas le même compte, mais je crois qu'en fait, je vais en faire que 20 vraiment parce que ça va me prendre un temps fou à tourner quoi. Ça fait déjà une demi-heure que je filme. Vous imaginez à monter ça? Ça va être horrible. Donc là aussi, c'est une vieille chanson. Alors, souvent, c'est ce genre de chanson-là comme The Winner Takes It All. J'allais parler en anglais, ou I Don't Want to Miss a Thing, que je vais vous faire écouter d'Aerosmith. C'est parce qu'en fait, j'aime beaucoup écouter Chérie FM la nuit. Elle doit déjà exister dans ma playlist, hein. Donc je vais pas la rajouter, je vous la refais juste écouter pour le plaisir un petit peu. Ces paroles sont trop belles! Je pense vraiment que j'avais déjà Shazamé, donc je vais pas la rajouter dans la liste. Je me rappelle pas, c'est très vieux. Je sais plus si je la connaissais. Ah oui! Je sais pas pourquoi j'adore ces sonorités. Je pense que j'aurais dû naître dans une autre époque. Ou juste peut-être parce que les paroles sont magnifiques. Et je trouve que c'est des très belles chansons d'amour. Quand je me dis que j'écoute ce genre de musique et que je les aime vraiment, je me dis qu'on dirait une femme de 50 ans, quoi. Mais j'aime vraiment. Enfin, après, j'aime bien aussi celle de notre époque. J'aime vraiment tout style de musique en fait. Et donc, j'aime pas me cantonner à une époque, à un style. C'est comme ça, c'est tout. Alors là, je sais que j'ai Shazamé ça, mais c'est pas celle-là. En fait, Shazam n'a pas reconnu. Ils m'ont mis Sorry Seems to Be the Hardest Word de Elton John. Et en fait, c'était pas celle-là que j'avais Shazamé. C'était celle, la version reprise en fait par Blue. Donc je vais vous mettre la bonne version, c'est-à-dire celle que j'ai vraiment Shazamée et pas celle que Shazam a mise. Shazam s'est trompé et j'ai même essayé une deuxième fois et il s'est encore trompé. Truc de fou. Ah et Blue, faut reconnaître, ils étaient mignons comme tout. What I gotta do to make you want me? What I gotta do?
on arrive dans du récent. C'est la bande-son en fait du film Le Roi Arthur. Si vous l'avez pas vu, c'est un excellent film. Et cette musique-là, on l'adorait particulièrement. Elle est pas mal dans le film, mais elle est aussi dans le générique. Et j'adore. Ça reflète tellement bien le film. Elle est géniale. Ah, celle-là, c'est la nouvelle chanson de Miley Cyrus. Cyrus. Et je l'aime beaucoup. Je me dis qu'elle a peut-être fini sa crise d'ado, même si elle est toujours un peu loufoque, mais ça, c'est peut-être sa personnalité réelle. Mais j'aime beaucoup cette musique. Certains l'aiment pas. Moi, je trouve. Enfin, je sais pas. Je l'aime bien. Celle-là aussi est très récente, Love Me Now, John Legend, parfaite. Et c'est un couple, je trouve, magnifique. Celle-là est très belle, très vieille. Je sais même pas si vous pouvez connaître David Hallyday. C'est Tu ne m'as pas laissé le temps, mais je crois que c'était pas vraiment une chanson d'amour. C'est plus une chanson d'amour, mais pour son père. Si je me trompe pas, c'est celle-là. Alors, Against the Wall, Seether, je ne sais pas qui c'est. Je me souviens pas de l'avoir chasamé. La vidéo n'est pas disponible, évidemment. Pourquoi elle aurait été disponible? Je crois qu'elle va être impossible à trouver, les gars. On va écouter une cover, mais c'est débile, quoi. Et du bon vieux métal. Je comprends pas où elle est, cette musique. Là, c'est une version karaoké, quoi. C'est super nul. Oh là là, je suis dégoûtée. Je pourrais pas vous la faire écouter, mais franchement, si vous en avez l'occasion, la vidéo ne fonctionne pas, quoi. Je sais pas si c'est parce que c'est le pays qui est bloqué. Bah, je vous laisserai aller l'écouter. Je suis dégoûtée pour vous. Parce que moi, au fond, je la connais, donc c'est pas très grave, mais. Ça aurait été cool de vous faire découvrir ça, quoi. Ah! Sachez que j'aime beaucoup les sons bachata. Je suis comme ça. Et celle-ci, je l'ai découverte il y a peu, avec Shakira et Prince Royce. Je sais pas s'il est connu, Prince Royce, mais c'est lui. Pour la musique s'appelle Déjà Vu, mais moi, c'est le son bachata que j'aime en fait. En théorie, j'en suis à 17. En pratique, j'en ai aucune idée. Mais de toute façon, je vais faire comme si j'en étais vraiment à 17. Et donc, il me reste encore 3. Vous imaginez que j'ai 169 Shazam dans mon Shazam. Je ne remonterai jamais jusque-là. Alas, je pense que je vous l'ai déjà fait écouter aussi. Je la mettrai quand même dans la playlist au cas où parce que je l'adore. Et je trouve. Je vais m'expliquer. Je trouve qu'elle. Reflète très bien ce que je pense du mot je t'aime. C'est un mot qui est très important à dire, qui se dit pas. Enfin, c'est pas. Je t'aime ne se dit pas comme ça. C'est pas un mot qu'on balance comme un bonjour. C'est quelque chose que moi, je réfléchis énormément avant de dire. Quand je dis à quelqu'un je t'aime, je suis sûre à 100% que c'est le cas.
Je le dis pas comme ça, juste pour la forme, juste parce que je suis en couple, juste parce que voilà, il faut que je le ressente au plus profond de moi-même. Et des fois, il me faut très longtemps avant d'admettre que j'ai été amoureuse. Mais voilà, c'est ma personnalité et j'estime qu'à partir du moment où j'en suis sûre, je peux dire à la personne. Alors que si je le dis et que, je sais pas, une semaine après, je me rends compte qu'en fait, non, c'est que c'était pas de l'amour. Ceux qui sont comme moi me comprendront de toute façon. Je l'adore tellement cette musique. Vous vous rendez même pas compte à quel point. Surtout Jean-Jacques Goldman, c'est le dieu. Il nous en reste deux, les amis. Il nous en reste deux. J'espère que c'est pas trop long. J'espère que vous aimez quand même ce genre de vidéo qui peut peut-être vous refaire découvrir d'autres choses. J'espère. Alors là, c'est une chanson. En ce moment, j'étais en train de me dire avec une amie que c'était. En fait, on se dit qu'à notre époque, les hommes sont moins ci, les hommes sont moins ça, voire les femmes. Hein, je critique pas. Dans les deux sens, ça peut fonctionner. Mais en vrai, ça a toujours été le cas. Sauf qu'avant, c'était soit plus caché, soit admis par les femmes. Mais moi, je crois qu'il y a des couples qui existent, qui s'aiment vraiment, qui ne se cachent rien. Merci, papa, maman. Et donc. Voilà, je sais pas où j'ai chasamé cette musique, mais je trouve que ça ressemble bien à ce qu'on peut entendre beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de ressentis, autant du côté homme que de femme. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Le parfum des roses, j'adore. Elle lui fait bien comprendre hein, que tout ce qu'il dit là, toutes ces paroles, il les dit à tout le monde, c'est des paroles en l'air et qu'il les pense pas réellement. Oh là là, dans quel monde vit-on? Et donc la dernière, je crois qu'elle est un peu plus récente. Vous imaginez, là je suis remontée que à mes Shazam du 7 mai. C'est-à-dire à peine un mois, il y a à peine un mois. J'en ai fait 20 en un mois. 20 en 30 jours, les gens. Ça fait peur. Oh non, mais c'est pas possible. Toutes les vidéos sont bloquées dans mon pays en fait. Oh là là. Je vais mettre celle-là, mais je crois que c'est qu'un extrait, tant pis, hein, parce que je sais pas où je vais la trouver en original. Vu que la vidéo est bloquée dans mon pays. Est-ce que vous vous rendez compte quand même que j'écoute énormément de styles de musique? Je suis quand même passée de Dalida à ça. Je vous jure, je dois avoir un problème dans ma tête de dédoublement, j'en sais rien. Oh là là. Donc c'est tout pour aujourd'hui pour ce Shazam là. Je suis désolée, je fais en même temps les playlists et tout parce que sinon je vais tout zapper. Et il m'en reste 166 Shazam. Eh ben je suis bien dans la merde. En tout cas c'était bien sympa. Mais imaginez encore tout ce que j'ai Shazamé dont je dois vous parler. Bon, en tout cas je vous laisse là pour cette vidéo. Je vais en filmer une deuxième, je vais en filmer même une troisième aujourd'hui. Donc je vous laisse maintenant, il va falloir que je la monte après et ça fait déjà 1 heure que je la filme. Bisous !